Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier les courbes de vitesse d'une animation sur Blender. Sur Blender, il est possible de faire des animations 3D très réalistes. Ce qui joue grandement sur le réalisme d'une animation, ce sont les courbes de vitesse. Ici, j'ai une animation basique avec un cube qui avance. Pour modifier les courbes de vitesse de cette animation, je me dirige tout en haut à gauche de mon écran, et lorsque ce petit icône apparaît, je clique dessus, et je glisse ma souris sur la droite pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Je clique ensuite sur ce petit icône et je choisis Graph Editor. Et si je clique sur mon cube, je peux voir l'évolution des propriétés de mon cube. Par exemple ici, on a la coordonnée Y qui évolue. Je peux alors modifier la courbe de vitesse de la position Y en cliquant sur ce petit rond et en le déplaçant. Et donc on peut chercher à obtenir le visuel souhaité. Je vous invite à aller voir notre vidéo « Gérer les courbes de vitesse sur Blender » pour en savoir plus. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter cette vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et tutos en une minute.